Salut les amis pilotes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un vol sur l'Angleterre et sur Paris Charles de Gaulle. Donc, on va partir avec Air France Virtuelle. Donc, c'est une compagnie virtuelle là où je suis. J'avais fait Paris Londres et là on fait Londres Paris. Donc, ce sera la piste 27 à Londres et la 9L normalement sur Charles de Gaulle. On a une tour de contrôle normalement actuellement sur Paris et même une prise, bon, on verra. Donc, ce sera le Soca, unité Alpha, ECNIV, LEAD, NAFU, XIDIL, BIBAX, NAFU Whisky. L'altitude sera de 250 avec un vent de 251 degrés 23. Fuel 5343, 0 fuel weight 59,5. Canadex 48, Pax 140, cargo 400, 2 tonnes 7 pour le roulage, 50 minutes de vol, V1 123, VR 124 et V2 VR 132. Donc là, j'ai déjà allumé la PU, j'ai déjà rentré le nombre de passagers, je vais juste rentrer. Le cargo, donc on avait dit 400, donc ça fera 200 là et 200 là, voilà. Donc là c'est bon. Maintenant on va rentrer le plan de vol. Donc on avait dit position EGLC, c'est ça? Ouais, EGLC. On a déjà, hop, voilà, l'IRS, hop. EGLC LFPG. Ah. PG. Donc EGLC LFPG. Voilà, active, exécute. Donc on va déjà voir si il m'a bien mis ECNIV, LEAD, WAFU, XIDIL. Ok, nickel. Donc ce sera un départ, on a dit la piste 27 et Soca, unité Alpha. Exécute. Voilà, notre plan de vol est fait. La route, c'est bon. Père fini. Donc Canadex, on avait dit 48. Ok, réserve 2,7, 2,7, 0 fuel weight 59,5, 59,5, ok, on a 5,3 de plan de fuel, 5,3, on monte à 250, on a des vents de 251, 23, on avait dit. Ok, maintenant on va voir les plans avec Navigraph. Alors ça, je vous le conseille de le prendre, c'est super. Franchement, c'est un logiciel qui est extraordinaire. On peut l'avoir sur tablette aussi. Mais on a toutes les cartes et les mises à jour sont régulières. Donc on a vraiment tout, quoi. Vous voyez, on voit déjà l'avion qui est là, qui est placé. EGLC. Il y a beaucoup de vidéos comment ça marche sur YouTube. Ouais, je suis là. Donc, je suis bien. Voilà. Alors, approche. On a dit la piste 27. Ce sera. Et un ILS, pardon. Hop. Et on va chercher l'altitude de transition. Voilà. Donc, 6000. Transition altitude, 6000. Donc, normalement, c'est la. C'est la tour de contrôle qui nous donne ça. Donc là, on va mettre 6000. Voilà. N1 limite, on a 29, c'est tout? Ouais, 29. Donc on va être à 99. Ouais, ça fait chaud, quoi. Ok, bon. Take-off, c'est parce que, ouais, on va devoir attaquer, ouais, comme c'est une courte piste. Next page. Donc là, nous, on va aller chercher maintenant le QNH et la météo sur Londres. Alors, on va sur Métar et on va aller chercher l'aéroport London City EGML. Ouais. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est London. Ah.
Y a pas. Bon, s'il n'y a pas, on va. Aucun métard disponible. Ok, bon, c'est pas grave. On n'a pas de métard, on va faire autrement. On va chercher sur mon téléphone. Comme quoi. Alors, sur mon téléphone, j'ai métard. GLC. Alors, GLC London City Airport. On a 21 degrés. Et. Degrés et on a 11. Il n'y en a qu'une H de 2016. 21, 11. Runway. Flap 5, on a dit 123, 124 et 132. Vais chercher. Dix onze. Donc on a dit 123, 124 et 132. On a un trim de 473 et on a un QNH, on a dit de 1016. Donc là, on va le mettre tout de suite, 1016 si on ne l'a pas entré. Ça, c'est très important. Le QNH, là, voilà, 1013. Voilà. Ah, 1016 et 1016. Ok. La carte, au cas où si on a un souci pour revenir. Donc 272 degrés. Ok. 272. Ok. On a un ILS de 111,15. Ok, et un VOR. Est-ce qu'on a un VOR là-dessus? Non, on n'a pas de VOR, mais on va mettre 113,60. Ok, là c'est bon. 122 décimales 8, ça c'est bon. Ok, on a 2000, on va mettre 1000. Ok. Donc là c'est bon pour moi, là c'est bon pour moi, on a tout rentré, on va mettre VOR, 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 position maître, là ici c'est bon pour moi, il n'y a que le heading qu'on va placer, hop, voilà, ok, LNAV, VNAV et RTO. Donc là tout est bon. Là, on peut retirer. Hop, ballon. C'est. Je pense qu'on va aller voir les cartes d'approche de taxi. Airport, airport, parking, airport. Voilà. Donc on est là. On va remonter la C. Voilà la première là. C'est la D même. Et on va remonter. Ou si on peut passer. Non, on va peut-être passer par. Ouais. On va tourner là. Et on va aller jusqu'à Mike. Ok. Allez, c'est parti. Ah non, piste. Oui, Mike. Ok, donc là, comme on est, donc on a droite et gauche. Là, c'est bon pour moi. Là, ici, on va mettre tout ce qui est hop, anti-givrage. On va mettre 250. Ok, anti-collision, hop.
Ok, c'est bon pour moi, on va démarrer les moteurs. Ok, donc on n'a pas besoin de pushback parce que voilà, on est bon. Tac, 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 et ben c'est parti. Allez, on allume le moteur. Engine. Voilà, on attend 23 pour allumer. Pour ouvrir la pompe. Du moteur 2. C'est ce que j'ai oublié. Je vais le dire après. J'ai oublié de mettre ça. Air France Virtuelle, ma boîte. Ah, purée. Donc il faut jeter le moteur là. Il faut que je retienne parce que sinon Air France Virtuelle va pas prendre mon. Il vaut pas me prendre parce qu'il faut démarrer les moteurs avant de commencer le vol. Donc déjà, ce que nous on peut faire, c'est déjà fly. Ah, il n'a pas pris mon fly là. Ah, super. Après, si déjà il prend pas mon truc, ça va pas le faire. Ah, attendez, il faut que j'aille sur Internet. Il faut que j'aille sur Internet récupérer mon plan de vol. Fly. Hop, Air France virtuelle. Pourquoi elle n'a pas pris mon plan là? La réservation, il n'y a pas de réservation aussi. Tac, tac, tac. Pourquoi il ne prend pas là? Pourquoi il ne veut pas prendre mon vol là? Que j'ai smart là-dessus, non? Ah, il me prend pas mon vol là. Bon, affectation, mission ponctuelle, on va refaire. Donc Londres, fiche de mission. LFPG, non. C'était EGLC, LFPO. LFPG, pardon. Ouais, hop, prendre en charge le vol. Bon, pourquoi il veut pas prendre là? Qu'est-ce qu'il me fait, Coco là? Ok. Bon. Je sais pas pourquoi il veut pas prendre. Total, ok. Ouais, j'aimerais bien avoir mon fly là. C'est pas vrai ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, on va pas passer si ça marche pas, tant pis, hein. C'est bien dommage.
J'ai bien regardé si c'est bien. Bah, je l'ai fait la dernière fois, pourquoi il veut pas là? Une réservation. Chargement. Ouais. J'ai bien annulé le vol, vol 1, indication radio, city, tac, 7 2023. Juillet 2023. Ah oui. Pourquoi il veut pas le prendre le couillon là? Bon, je suis désolé. Mais faut que ça marche quand même. Ah, si ça marche pas, hein, je. On va faire sans. Fly. Non, bah il veut pas. Bon, bah tant pis, il n'y aura pas Air France Virtual aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, on démarre les moteurs. Donc, moteur Groun. Hop, on attend 23. C'est qui est connecté actuellement à Londres? Non, c'est pas nous. Désolé pour ça. Allez. J'ai ouvert le réservoir. Ok, moteur numéro 1, je sors les flaps 5, comme ça sera fait. Donc, les moteurs 1 se met en route. Allez, moteur en route, on attend. Ah, c'est dommage parce qu'on va passer au-dessus de, on va tourner autour de Londres. C'est dommage, on va pas sur Londres. Ça aurait été sympa de voir Londres. Donc flaps extend vert pour les flaps. Ok. Donc là, je peux éteindre la PU. On n'a plus besoin. Hop, la PU éteint. Je mets. Hop, pour les passagers, je me prépare. Hop. Ok. Système, on retire. On essaie de voir si tout marche. Ok pour moi. Ok. Tout est bon. Ok pour moi. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Système, hop. On n'a plus besoin. Engine. Ok. Lumière, hop, allez, on y va.
Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord. Bienvenue sur le 737-800 d'Air France à destination de Charles de Gaulle. Notre temps de vol sera de 50 minutes. Nous aurons beau temps tout le long du vol. Donc en cas de panne, au cas où si il y a un moteur ou un problème sur la piste, tu t'occupes des aérofreins et du speed break. Auto-break, ok. Et donc les aérofreins et le freinage. C'est au cas où on décolle et que pareil, on a un souci. On revient sur la piste 27. Donc là, on a rentré les ILS. On va aller jusqu'au bout de piste. Allez, checklist pour le décollage. Donc le flap 5, ok. RTO, ok. Les moteurs se continuent, ok. V1 123 et 132 vitesse. Ok. Donc là, on va faire un toga en bloquant les freins et on lâche. PNC, préparez-vous pour le décollage. Allez, on allume les feux. On s'aligne. On a Londres en face de nous là. Allez, on bloque, on met le chrono, c'est parti. On monte à 40 et Toga. Toga, on lâche. Puissance disponible. Badin actif, 80. One, rotate. Climb positif, je rentre le train. Train rentré, 3 rouges. Je vais vous montrer Londres. En manœuvrant. On a Londres. Flaps tout. Waouh. Flaps 1. Flaps up. Je vais mettre juste. Voilà, pilotage automatique. On va essayer de faire une petite vue. Vue des ailes. Pour montrer un petit peu Londres. Voilà, on vient de décoller de. Voilà. Waouh. Montrer comment c'est beau. La netteté de l'image là, c'est impressionnant.
Ah, mais complètement. On va se mettre sur le côté pour voir. Ah, le côté c'est plus ouais. Allez. On va quand même monter. On va aller direct sur sol. Exécute. Alors on a dit 200, on a tout bloqué bien sûr, comme d'hab. Et on recommence. Bon, on va faire manuellement. Hop, 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 hop. Les lumières sont entrées. Volume sur off. Ok, bon. Et donc on a dit c'est quoi qui gueule, c'est là bas pour l'instant. C'est chiant là, il déconne là.
Il me casse les pieds là. Il me gonfle faire ça là. Hop, tais-toi. Ok, on va faire ça. Voilà. Pas de souci, halt. London Center Air France 738 is type Boeing 737 miles south of Echo Golf Victor Kilo 16,400 feet. Request flight following. Air France 738 London Center. Squawk Tree 256. Ok. Je suis où moi? Voilà, chez Air France 180. Bah, normalement, il n'y a pas de LFPG. Il n'y avait personne. Ok, bon. Pour l'instant, il n'y a personne sur mon trajet. Ok, donc on va faire une arrivée. On va aller chercher l'arrivée. Donc, désolé pour hein, tout ce qui se passe. Mais ça, c'est le problème. Pour le monocopie avec FS 2020, des fois ça marche super bien et des fois non. LFPG, donc LFPG, on y va, on va aller voir les cartes. Donc on annonce Bibax 9 Whisky. La star Bibax 9 Whisky. Neuf whisky. Alors qu'est-ce qu'il me dit lui? Et on sort de la côte là. Bibax, ok. Et ouais, on va arriver comme ça, ouais. On est sur Mopar. Ok, tac. Mopar. Mopar. Ah. Qui m'appelle? Qui m'appelle? Qui m'appelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle? Non. Non. Ok. Donc on a dit approche. Donc 9L et Mopar. 9L ça? Ouais. Ok, donc ça sera ILS 9L. Arrivé, ILS 9L vers Mopar. Est-ce que j'ai Mopar là-dedans?
Et ah purée, ILS9L, Mopar, 8P ça, ouais, Mopar 8 et Bibax. Bax 9 risky execute. Ok. Ok. Donc normalement ça doit être bon là. Hop, hop. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, ok, 250. Pourquoi 250? 250, 300. Ok, donc l'ILS, ce sera donc 84. Allez sur l'Atlantique. 84, ok. 109,35. Et 109,35 et le voir 115,35. Ok. Ok, ensuite on a 578. La piste elle est assez grande, 2,7 km, donc on va mettre Flapstrand. Ok. Donc là on a tout rentré. Ok, super. Je sais pas s'il va m'appeler lui ou pas, on verra. C'est qui lui déjà? C'est Brest contrôle, je pense qu'il s'en fout. Brest, il va pas me contrôler. Approche taxi, pardon, hop, info. Donc la 9L. Ok, c'est celle qui est au bout là-bas. Oh, chien, il faut tout traverser. Ok. Ok, heading. Alors, on va aller voir pour le QNH, pour QNH2. Attention, alors QNH pour la descente, ce sera de combien alors? LFPG. Bouton 25 degrés 1016. On a 1016, bon bah ok. Et 25 degrés soleil. Les passagers vont être contents. On avait dit 250. Hein.
Ça c'est, on commence à voir les côtes. On commence à voir la côte. Je vais m'amuser avec les vues. J'ai vu que la fond on pouvait faire un truc sympa. Atterrissage, je crois que c'était, ouais, c'est ça. Je trouvais ça sympa le l'atterrissage. Allez, on va descendre à 240. Brest-Tours, bonjour Monsieur Air France 180, on est en direction pour Charles de Gaulle. Brest-Tours, est-ce que vous m'entendez à France 80? Bon, c'est ce que je disais, il doit pas être en contrôle. Donc on est sur 102,8. On va descendre à 13 000.
Ouais, il faut presque le... comme ça. La côte. Il y a une centrale ici, là. Ouais, 2300.
Mesdames et Messieurs, c'est votre commandant de bord. Nous commençons notre descente vers Paris Charles de Gaulle. Nous aurons une température de 25 degrés et nous arriverons dans à peu près 10 à 15 minutes. Nous aurons beau temps. Traffic. 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 Je vais recoller mes trafics parce que je vois pas de trafic. Auto black sur 3 déjà, quand ça c'est fait. Allez, 4000. Flaps 1. Ça atteint 7000 quand même, qu'on passe. Les Flaps 1 pour 180. Ok, 4000, je te laisse 4000. PNCP prêt à vous pour l'atterrissage. Moteur sur continue. Allez. À nous poser maintenant.
approche. Have to. Pareil devant nous. On voit la défense là, juste devant nous. On a la défense. On a la tour de, on a la tour Eiffel. Bon, je sais pas si vous voyez sur votre gauche. Je vais vous montrer avec la souris. On a la tour Eiffel qui est ici là. Voilà. Et là, on a ouais. Allez, on se prépare. 14, flap 5. 5-5. Allez, on se prépare pour attirer. Single cherche. Big Black armé. Ok, alors on a bien auto break sur 3. Continue pour les moteurs. Ok. On a speed break armé. Ok, là on est pas mal. À 5. Piste en vue. Train sorti. Flaps 30. Ok, Flaps 30. Ref. Lumière allumée. Je prends les commandes. Ok, les commandes sont prises. Un petit vent de côté qui est sympa. Traffic. Traffic.
Check. Approaching minimums. Continue. Minimums. Continue. Reverse. Soixante dix. Allez, on sort là. Mesdames et messieurs, c'est vous, commandant de bord. Nous sommes arrivés à Paris Charles de Gaulle. J'espère que vous avez passé un agréable voyage en notre compagnie. Espérons vous revoir très prochainement sur notre ligne Air France. Merci. Bonne journée à vous. Il va falloir qu'on aille très loin. On va aller sur Bravo. Ah, on va aller sur Bravo. Donc là, on est OK. Faut qu'on remonte vers F. Donc là, si je suis comme ça, il faut que je tourne à droite.
Voilà. Non, je sais pas si F voilà là-bas. F, F, F. Non, bravo. Et moi c'est bravo 1 normalement. Au bravo, hein, là. C'est là-bas, je pense.
Voilà. Tout est éteint. Calme-toi, on n'a même pas encore. Ouais, c'est parce que tout est con là. Alors on attend que... Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à Paris Charles de Gaulle. Et il fait super beau. On est à Bravo 1 Charles de Gaulle. On ne va pas être loin de... Je crois pas où c'est là. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine sur ma chaîne. Et encore merci de me suivre. Au revoir.